Connectez-vous. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Connectez-vous, nous allons faire une analyse vraiment très pointue, une analyse stricte entre les pro-Gbagbo et les pro-Afungis. Quels sont ceux qui ont gagné sur la scène politique ivoiro-ivoirienne? Vous voyez, les Go et les Afungis, les Gbagbo-riens. Et les Afuriens, quels sont ceux qui ont été des bons stratèges? Nous allons en parler. Et qui parmi les membres qui sont au sein du FPI a été le meilleur élève de Laurent Gbagbo? Nous allons en parler. Maintenant, Soro Diop accuse le président Alassane Ouattara du père de la rébellion en Côte d'Ivoire en produisant des documents fictifs basé sur le mensonge des documents signés par des spécialistes qui sont autour de Guillaume Soro dans le but d'accuser son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas, c'est moi, vous pouvez aussi m'appeler. Boum boum, laisse-moi mourir, c'est un plein droit. El Padrino Camari, des eaux, la Mouga ou devant la vie. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour faire une analyse vraiment profonde sur les pro-Gbagbo. Vous savez, Gbagbo rien et les affiistes. Donc, les affiistes, on va peser le pour et le contre des actions menées des uns et des autres. C'est très important. C'est-à-dire les actions menées par les gars, Gbagbo ou rien. Hein? Les extrémistes au sein du FPI et les affiistes qui pensent, qui ont l'idéologie d'Afungis, qui disent Afi ou rien. Nous allons peser les conséquences de leur politique ou les avantages de leur politique. Ensuite, on va parler de Soro Guillaume qui a accusé le président Alassane d'être le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Alors prenons Afungis et les pro-Gbagbo ou rien. C'est-à-dire les gars là, parmi les gars, il y a Boudraman Sangaré, il y a Asso Adou. Parce que même si le vieux il est mort à Boudraman Sangaré, on doit parler de lui, c'est très important. Parce qu'il a été même l'une des figures emblématiques des gars. Et c'est lui-même qui était à la base de cette invention du mot Gbagbo ou rien. Alors, donc, je cite Aboudraman Sangaré, Asso Adou, Lida Kwasi Moïse, Simone Gbagbo, Gbagbo, bon, moi, je ne sais pas s'il a mis sa bouche dedans, mais les Simone Gbagbo. En dehors d'eux, il y a d'autres, mais je ne peux pas les compter et tous. Les Damana Picasso, les Kone Katina et consorts. Ils ont été au sein de ce mouvement appelé GON. Et donc, ceux-là, leur idéologie, c'était quoi? Leur idéologie, c'était de bafouer tout ce qui est acte politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ne devraient même pas participer à aucun jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc, leur idéologie, c'est d'abord la libération de Laurent Gbagbo. Sans Gbagbo, pas d'élection. Je dis bien, sans Gbagbo, pas d'élection. Et quiconque osera voter, ou bien quiconque osera présenter sa candidature à une élection quelconque ivoirienne, était automatiquement traité de traître. Et que ce dernier partait faire allégeance à Ouattara. C'est ce que les gens disaient. Donc les gars, c'était ça leur philosophie. Enrôlement, ils ont boycotté cela. Parce que quiconque se faisait enrôler, alors faisait allégeance à Alassane. Car l'enrôlement a été organisé par le gouvernement en place. Donc, eux pour eux, ils ne reconnaissaient pas le gouvernement d'Alassane, car ce n'était pas un gouvernement qui a été
élus légitimement. Et donc, pour eux, ce gouvernement a été mis en place suite à des armes, suite à un coup d'État. Donc, ils avaient cette idéologie. Et jusqu'à présent, cette idéologie, se trouve encore dans leur tête. Donc, ils nouent encore avec cette idéologie. Donc, pour eux, il fallait boycotter tout ce qui venait de la part du gouvernement. Élections, enrôlement, à tout camp, il fallait tout boycotter. Il ne fallait même pas se représenter au sein de l'Assemblée nationale. C'était ça leur idéologie. Quiconque se présentait à une élection, législative ou municipale était traité de traître. Ils accusaient ce dernier de vouloir travailler avec le gouvernement de Ouattara. Car être gone, c'est de refuser d'intégrer l'Assemblée nationale. C'est de refuser d'intégrer une mairie quelconque en Côte d'Ivoire. Car intégrer l'une des mairies ou bien intégrer l'Assemblée nationale était considéré comme le plus gros trait du camp d'Ouran Gbagbo. Donc, ils te reniaient automatiquement et ils t'accusaient d'être un infiltré au sein des pro-Gbagbo. Donc, beaucoup de peur pour ne pas se voir boycotter, pour ne pas se voir haï, pour ne pas se voir se traiter de traître, pour ne pas se voir talonné, poussé, calomnié. Ah, ils ont décidé de ne pas participer à aucun jeu électoral. Et ils sont restés là jusqu'à aujourd'hui. Résultat, on va payer les résultats. Maintenant, Afiou Nguessan, bon élève de Laurent Gbagbo. Je dis bien Afiou Nguessan, bon élève de Laurent Gbagbo, parce que n'oubliez pas, Afiou a été directeur de cabinet de Laurent Gbagbo de 90 jusqu'en 2000. Donc, ça veut dire 10 ans. Je dis bien 10 ans. Qu'il a travaillé à Laurent Gbagbo en étant son directeur de cabinet. Donc, ce monsieur a pris auprès de Laurent Gbagbo toutes les stratégies. Parce que dans le bureau, pour être directeur de cabinet d'un candidat potentiel, ce dernier, il doit te dire tout ce que tu dois faire, sa pensée. En tout cas, il doit mettre toutes ses connaissances à ta disposition pour que tu puisses être à la hauteur, parce que tu dois mener des actions pour lui. Et ce qu'il veut, il doit te le dire, sa pensée, sa vision, c'est tout ce qu'il te dit. Maintenant, toi aussi, avec tes propres connaissances, tu organises des événements, tu mènes des actions pour que ton candidat puisse obtenir des voix, puisse prendre de l'ampleur, puisse atteindre le sommet. Donc, être directeur de cabinet d'un candidat, c'est de coopérer avec ce candidat, c'est de réfléchir, avoir des pensées muables, voilà, avoir des pensées intrinsèquement liées, des pensées positives, des pensées concomitantes, pour que tu puisses réellement être à la hauteur. Donc, c'est ce que Afi a fait pendant 10 ans. Et comme Laurent Gbagbo lui faisait confiance, suite à cette rébellion venue de la part de Guillaume Soro, qui endeuillait le pays, Gbagbo a décidé que Afi devienne président du pays. Parce que ce n'est pas pour ne rien qu'il a été président. Il sait qu'étant directeur de cabinet, il a vu ses compétences. Il sait qui était Afi Nguessan. Donc, suite à ça, il dit, ah, Afi est d'ailleurs. Parce que les postes qu'Afi a occupés là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est parce qu'il connaissait ses compétences. Quand il a été président, il dit, Afi, tu es mon premier ministre. Ce n'était pas pour rien. Mais les membres du pays, là, quand ils réfléchissent, là, ils ne voient pas. Hein. 90, 2000, Afi, directeur de cabinet de Laurent Gbagbo. De 2000, 2002, Afi devient premier ministre. Non, de 2000, 2002, Afi était premier ministre. Parce que Laurent Gbagbo a gagné. Son directeur de cabinet a fait le travail. Il a été à la hauteur. Ah oui, parce que Laurent Gbagbo a vu que ce client était à la hauteur. Il lui a montré qu'il pouvait compter sur lui. Il dit, petit, deviens mon premier ministre. Rébellion est venue et tout. Il dit, ah, bon, avec ce poste ministériel, comme Soro Diop m'impose certaines règles, Petit devient le président du pays. Et Afi est devenu encore président de l'un des grands partis politiques en Côte d'Ivoire, appelé le FPI. Il a dirigé ça durant le règne de Laurent Gbagbo, jusqu'en 2011. Je dis bien, jusqu'en 2011, Laurent Gbagbo n'a jamais osé dire à Afi que tu as trop duré, tu as trop régné sur le parti, donc je ne t'aime pas, tu ne véhicules pas mon idéologie. Non, Laurent Gbagbo, sachant bien que Afi maîtrisait sa philosophie politique, il a laissé Afi.
dirigé le pays jusqu'en 2011, jusqu'à ce qu'il chute, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, Afi a été arrêté au même titre que Laurent Gbagbo, n'oubliez pas. Je dis bien, Afi a été arrêté. Il s'est fait arrêter au même titre que Laurent Gbagbo. Et il a subi le même traitement que Laurent Gbagbo parce que rien n'est, le hasard n'existe pas. Son maître a été arrêté, l'élève aussi a été arrêté. La différence est que le maître a été envoyé à la haie et l'élève est resté sur le territoire. Et le gouvernement a eu pitié de l'élève, a tout fait pour gracier beaucoup de personnes. Des gens me diront que c'est, ils ont signé un deal. Donc, tous ceux qui ont été libérés, ils ont signé un deal. C'est-à-dire, les jeunes, parmi les jeunes patriotes, il y avait des jeunes patriotes qui ont été libérés. Eux aussi, ils ont signé un deal. Simone Gbagbo, tout ça là, les leaders d'Akwasi, ils ont aussi signé un deal. Parce qu'il ne faut pas accuser un individu parce que ça te plaît. Il ne faut pas accuser quelqu'un, il a retrouvé sa liberté. Donc, il a signé forcément deal. Non, loin de là. Ce n'est pas parce qu'il a été libéré qu'il a signé deal. Mais n'oubliez pas, Michel aussi, Gbagbo, était aussi condamné au même titre que Afi. Il a été libéré. Donc, lui aussi, il avait signé un deal. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ça. Et donc, Afi, étant sorti fraîchement de la prison, a pris les rênes. Et il a attrapé le taureau par la colle. Et il a dit non. Il voit, il vient sur le terrain, ceux qui étaient libres, qui devraient faire des mouvements, il voit personne ne bouge, personne ne fait aucun mouvement. Il attend, on dit non, Gbagbo, il a la CPI. Il dit, ben, il n'est pas là, mais qui va remplacer Gbagbo? C'est comme ça, il prend les choses en main. Il dit, bon, je suis sorti, donnez-moi, parce que quand il était en prison, il y a d'autres qui dirigeaient le FPI. Mais ceux-là, ils n'ont pas mené d'action, ils n'ont rien fait du tout. Ils étaient là, ils boycottaient. Quand Afi est sorti, il dit non, les boycotts c'est fini. On ne peut plus boycotter quoi que ce soit, on doit participer aux élections. Il a participé à une élection, ses propres amis l'ont boycotté en le traitant de traître, en disant que non, il partait accompagner Alassane pour mettre Alassane au pouvoir. Et donc pour cela, ils ont boycotté, puisque c'est le gouvernement d'Alassane qui organisait les élections. Donc eux, ils ne peuvent pas aller aux élections avec Alassane Ouattara, car c'était une fraude. Flagrante que Alassane venait de mettre sur pied. Pour ça, ils ont boycotté leur propre client, Afi Nguesso, qui est leur président du parti. Ils l'ont boycotté. Et encore, ils ont commencé à se moquer de lui. Afi 9%, Afi 9%, l'homme de 9%. Ils ont commencé à le vilipender, en le traitant de 9%. Mais eux, quand tu leur demandes, mais bon, lui, il a 9%, vous avez combien? Oh, nous, on est populaire. Donnez-nous les chiffres, c'est combien de pourcentages? Ils sont incapables puisqu'ils n'ont pas, ils n'ont jamais participé à une élection. Donc, ils n'ont aucun chiffre dans leur bouche. Tu leur dis là, ils vont dire on est populaire, mais populaire comment? Sur quoi tu te bases pour dire que tu es populaire? Voilà la question. Ils n'ont aucun chiffre car ils n'ont jamais participé à aucune élection. Ils ont passé leur temps à tout boycotter. Voilà le vrai problème. Maintenant, en dehors de ça, Afi, les élections législatives et municipales, il a participé à ça. Encore, ils l'ont boycotté. Je dis bien, ils l'ont boycotté. Eux tous l'ont boycotté. Parce que Afi avait compris que si Laurent Gbagbo était là, il allait aussi participer au jeu électoral. Mais eux, ils ont été tous des élèves de Gbagbo. Mais ils n'ont pas compris. Parce que dans la classe, le maître peut enseigner tout le monde. Tout le monde peut être élève d'un instituteur. Mais est-ce que tout le monde comprend de la manière le maître explique les leçons? Question. C'est ça. Parce qu'au moment où il aura l'examen, est-ce que tout le monde va avoir ses points? Parce que ça ne sera pas le maître qui va être là. Il ne va pas être ton maître de truc d'examen. Ce n'est pas lui qui va être ton professeur de surveillance. Donc, voilà le vrai problème. Il donne les cours. Mais quand vous partez passer l'examen, là, ce n'est pas lui qui va vous garder. Ça sera un autre instituteur ou bien un autre professeur. Et il vous surveille, vous faites maintenant. C'est là maintenant chacun fait sortir ses compétences. Quelque chose que tu as reçu de la part de ton maître, c'est là, sur la feuille. Il y a d'autres qui échouent, il y a d'autres qui réussissent. Donc parmi ceux qui échouent, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas là quand le maître donnait les cours. C'est parce qu'ils n'ont pas su suivre les cours du maître. Ils n'ont rien compris de ce que le maître a dit. Et ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui ont écouté bien le maître.
Donc, ceux qui ont écouté le maître Gbagbo, le maître politique Gbagbo au sein du FPI, ils sont les pro-AFI. Donc, des gens disaient que Gbagbo refuse de croiser AFI, donc c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître. Donc, pour cela, AFI est un traître, AFI, parce que Gbagbo ne le reçoit pas. Or, vous ne connaissez pas la politique de Gbagbo. Peut-être qu'il attendait à la dernière minute pour croiser AFI, pour dire AFI, viens. Parce que quand vous êtes animé d'émotion, vous ne comprenez pas. Peut-être Laurent Gbagbo jouait ce jeu pour faire croire à beaucoup de personnes que le FPI était divisé. Mais il y a certaines grosses têtes au sein du FPI qui ne comprenaient pas la vision de Gbagbo. Qui eux aussi pensaient que le FPI était réellement divisé. Et donc, ils se clashaient. Ils clashaient AFI, ils insultaient les pro-AFI. Ceci, vous êtes des traîtres. Gbagbo ne peut jamais vous recevoir. Gbagbo ne peut pas recevoir des traîtres. À la dernière minute, Gbagbo reçoit AFI. Je dis bien à la dernière minute, Gbagbo reçoit AFI. Et il parle avec lui. Il dit à AFI, va organiser un référendum. Toi, Souadou, désormais, tu te tais. Est-ce que vous comprenez? Parce que AFI que vous avez traité de traître jusqu'à là, c'est encore ce même AFI-là que Gbagbo confie la mission d'aller réunir le FPI. Donc, vous comprenez que votre propre maître Gbagbo, il vous dribble. Vous pensez être sur le bon chemin, mais Laurent Gbagbo, lorsqu'il réfléchit et tout, il voit que vous n'êtes pas sur le même raisonnement que lui. Donc du coup, vous ne comprenez plus rien. D'autres disent mais Laurent Gbagbo, mais pourquoi? Mais c'est parce que votre Gbagbo là, vous ne l'avez pas compris. Vous ne savez pas qui est Gbagbo. Ils vous enseignent ensemble, mais la différence est que vous ne le maîtrisez pas, vous ne le comprenez pas, vous ne le connaissez pas. Voilà la vraie réalité. Donc, Asso Adou était là, Afi Ouguessa était là. Il dit, bon, Asso, quel est ton bilan? Parce que moi, Laurent Gbagbo, j'ai été arrêté en 2011. Je ne suis plus reparti en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, en 2019, parce que c'était en 2019 et tout. Il dit, bon, Asso Adou, fais-moi le bilan. Vous qui êtes les gars. Gbagbo ou rien, fais-moi le bilan. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme lutte? Ce que vous avez obtenu comme résultat? Asso Adou, non, président, je n'ai rien reçu. Ah, au sein de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas des représentants. On a tout boycotté. Ah, ok. Et dans les mairies, vous n'avez pas. Gbagbo, on a tout boycotté. Ah, donc, toutes ces années-là, vous avez tout boycotté. Mais comment le parti peut se financer? Où est-ce que le parti va avoir de l'argent? Moi, Gbagbo, je suis en prison. Je ne peux pas avoir encore de l'argent. Je ne travaille plus. Mais pour financer le parti, il faut travailler. Maintenant, pour travailler, il faudrait que vous gérez les mairies, hein, ayez des postes au sein de l'Assemblée nationale. Comme ça, le parti pourra se renforcer. Mais vous avez tout boycotté. En retour, on gagne combien? Comment on va faire pour conduire encore notre parti? Asso Adou, patron. Je sais pas. Parce qu'il n'a plus d'arguments là. Pour convaincre Laurent Gbagbo, suite à ce bilan qui est très long. Un bilan long, mais zéro. Vous comprenez? À toi, Afi Ouguessa. Qu'est-ce que tu as obtenu? Ah, monsieur le président, depuis que vous avez quitté le pays, depuis que vous êtes dans la mer de la CPI, j'ai mené la lutte. J'ai participé aux élections, malheureusement. Mes propres amis m'ont boycotté, ils m'ont appelé Monsieur 9%. Et suite à ça, j'ai présenté des candidats aux différentes élections. Donc au moins j'ai 3 députés. J'ai aussi 3 maires. Et je suis le chef, moi Afi, je suis le chef de temps. Il dit Afi, salue-moi, tu es le bon élève. Prenez exemple sur Afi. Asso Adou, à partir d'aujourd'hui, tu la fermes. Afi, organise-moi la réconciliation du parti. Vas-y. Et Afi s'est retourné en Côte d'Ivoire. En tenant son discours, il dit, Laurent Gbagbo m'a envoyé. Je suis en mission pour Gbagbo. Et c'est ce que Afi a tenu comme discours. Avez-vous déjà entendu Asso Adou dire, je suis en mission pour Gbagbo? Parce que quand les deux ont fait leur bilan, Gbagbo a constaté que Afi a eu plus de points que Asso Adou. Il a constaté que Afi a beaucoup travaillé que Asso Adou. Grâce à Afi, les membres du FPI, ils peuvent savoir ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale. S'il y a un projet là-bas, ils savent. Grâce à Afi,
Hein? Les membres du pays peuvent savoir combien les maires de nos jours ils touchent au sein des mairies. Mais les Assouadou, ils n'ont rien proposé. Voilà pourquoi, quand on regarde les gars et les Afidés, on constate que Afi a été le meilleur élève. Je dis bien le meilleur élève de Laurent Gbagbo. Et il a suivi Laurent Gbagbo. Il a suivi Laurent Gbagbo. Si Gbagbo était là, ce qu'il allait faire, c'est ce qu'Afi a fait. Car Laurent Gbagbo l'enseignait pendant 10 ans, 90 ou 2000. Pendant 10 ans, Laurent Gbagbo lui a donné ses idées. Il lui a transmis son pouvoir, son savoir-faire. L'humilité précède la gloire. Est-ce que vous avez vu Afi organiser des matchs en désordre, n'importe comment? Non, il est toujours humble. C'est quelqu'un qui est toujours humble, mais qui réfléchit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, entre lui et Assou Adou a eu beaucoup honte. Depuis qu'ils sont quittés à Bruxelles, vous voyez encore Assou Adou crier, essayer de dire Afi est un traître, Afi est... Il ne parle plus beaucoup. Il sait ce que Gbagbo lui a dit. Il dit, toi, tu n'as rien compris de ce que... Qui est Laurent Gbagbo? Tu n'as rien compris dedans. Toi, Assou Adou, à partir d'aujourd'hui, laisse Afi conduire les opérations. Parce que si Afi réellement avait trahi Gbagbo, Gbagbo n'aurait jamais dit Afi, va conduire, sois en mission, réconcilie le pays et je te confie la tâche. Il n'allait jamais dire ça. Il allait dire Afi, à partir d'aujourd'hui, tu laisses Assou Adou diriger le pays. Parce que si c'est ce que Laurent Gbagbo avait dit là, mais Assou Adou allait brandir cela. Il va dire à partir d'aujourd'hui, Afi n'est plus président du pays. Il allait écrire sur tous les journaux, faire des vidéos pour parler de ça. Mais il sait que lui, il n'a pas eu raison face à Gbagbo et Afi. Quand il les a fait asseoir, eux tous là, Assou Adou n'a pas eu raison. Il a donné toutes les raisons à Afi ou Dessa. Assou Adou, il ne parle plus trop. Il ne parle plus trop. Les Simone Gbagbo ont commencé à dire la réconciliation au sein du pays. Ils ont commencé à parler de paix. Avant que Gbagbo ne les croise, ils ne parlaient même pas de paix. Ils rejetaient même Afi. Mais quand Gbagbo leur a fait comprendre que c'est Afi qui me représente, c'est Afi qui fait ma politique, et vous, je ne sais pas d'où vous êtes quitté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que je vous ai demandé automatiquement? C'est même là, on va se réconcilier bientôt. Le FPI, hein, l'union du FPI, ils parlent maintenant d'union. Vous comprenez? Donc Afi a eu assez d'intelligence sur le go. Il est en avance sur le go. Donc, il est proche de son maître appelé Gbagbo. Laissons maintenant le côté Afi. Parlons maintenant de Soro Diom. Soro Diom, il y a un document là qui est apparu récemment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si maintenant c'est sur les réseaux sociaux, on apporte des preuves pour attester que lui là, il est le chef. Si Alassane est le chef et que vous savez qu'il est le chef, mais allez-y le poursuivre en justice. Il ne suffit pas de brandir un petit bout de papier sur Facebook pour dire c'est lui le père. Un papier même qui n'a pas été même, on ne sait même pas si c'est un document certifié, un document authentique, certifié réellement par le président, les supprimes, bien le feu, Jacques Chirac, personne ne sait. Ils brandissent ça sur la toile pour dire non, c'est Alassane qui serait. Et lorsque vous regardez bien, ce document n'a pas été déclassifié. C'est-à-dire, si on dit que ça a été classifié, ça veut dire qu'ils ont gardé, ils ont caché, les gens, ils ne veulent pas que les gens voient. Donc, on déclassifié, ils ont enlevé ça dans leur tiroir pour montrer ça au grand jour. On n'a même pas vu ce document sur le site de l'Élysée. Ça, c'est un. Allez-y sur le site, la page de l'Élysée, ce document n'y figure pas. Ils n'ont jamais publié ça là-bas. C'est un document monté de toutes pièces. C'est du mensonge. Parce que je suis allé vérifier pour voir. Mediapart n'a jamais révélé ce document. Parce que lorsqu'il y a ce genre de choses, des gens ont fait, je dis bien, des gens ont fait des enquêtes. Un tel document n'a jamais été révélé au grand jour. Si ça a été déclassifié, tous les médias allaient parler de ça pour dire, ah, en fait, l'histoire de la rébellion de Côte d'Ivoire vient de connaître maintenant la vraie vérité, car c'est Alassane qui était à la base. Mais aucun média n'a parlé de ça. Je dis bien aucun média, que ce soit les médias africains, les médias européens, américains, je ne sais même pas, asiatiques, aucun média n'a parlé de ça. Et Soro Diom et sa bande s'en vont falsifier des documents de la manière. Les membres du FPI avaient falsifié des documents pour faire croire aux affidés que ces documents
avaient bel et bien été signés par Laurent Gbagbo. Donc, c'était des mensonges. Eux-mêmes, ils étaient partis prendre des avocats pour imiter la signature de Gbagbo et signer comme si c'est Laurent Gbagbo qui avait signé. Or, pourtant, c'était des documents biaisés, falsifiés. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. C'est ce... Puisque Chirac est mort, il ne peut plus dire non, je n'ai jamais signé de tels documents. Maintenant, le général en question, puisque c'est une histoire ivoiro-ivoirienne, le général en question, si Soro Guillaume lui donne un peu d'argent pour dire « Général, s'il vous plaît, écrivez ce document-là. On a un expert qui va signer à la manière hein, chiracienne et on va prendre ce document comme si c'est vous qui avez fait la note pour donner ça au président de la République, Chirac, dans le but d'accuser Alassane Ouattara. » Ce général, il peut le faire. Mais puisque c'est un général qui n'est plus en exercice, il est fatigué. Et donc, il peut accepter. Soro Guillaume, si il lui propose, il dit, général, tiens 50 000 euros, ou bien tiens 20 000 euros, signe-moi ce petit document. Mais il est content. Mais ce général-là, il est content, il va fêter. Il signe, tout simplement, il met son nom en bas. Quand ils vont lui demander, il dit oui. Mais tout ça, c'est de bonne guerre, là. Et donc, Soro Guillaume est allé falsifier ce document et a donné ça aux membres du PDCI. Et ces gens ont posté ça sur leur chaîne, c'est-à-dire sur leur page PDCI RDA. Franklin Niamsi a repris ces mêmes documents pour faire une vidéo dans laquelle il accuse ouvertement le président de la République ivoirienne en disant que c'est lui qui était le chef suprême de la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire. Mais si Alassane était réellement le chef suprême de la rébellion, il fallait-il attendre un petit document, une preuve irréfutable? Non. Est-ce qu'il fallait attendre un petit document, soi-disant venant des tiroirs de l'Elysée avant de savoir que Alassane était le père de la rébellion? Soro même qui lui a écrit un gros roman de 1 milliard de pages, j'exagère un peu, mais il faudrait qu'on le dise, qui a écrit un gros roman pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. On lui a posé plusieurs fois des questions. Il dit Alassane n'y était pas. Il n'était pas associé à moi. J'ai pris l'initiative pour frapper ce pays, pour déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Il n'y a pas de souci. Donc, Soro Guillaume n'avait pas besoin d'un petit document, soi-disant signé par Jacques Chirac, avec un général, Georgien, je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle, pour reconnaître que Alassane était à la base. Parce que s'il disait que Alassane était le chef suprême, mais qu'il démontre de A à Z que réellement, Alassane était le responsable, mais il n'a pas pu démontrer devant le monde entier, même dans son roman, même à travers les vidéos qu'il fait, il n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Il n'a jamais cassé aucun papeau à l'encontre du président parce qu'il n'a aucune preuve. Il n'est pas capable, il est incompétent sur tous les plans. Donc, quelqu'un qui ne dispose pas de preuves, mais c'est comme ça qu'il tergiverse. Il va aller dans tous les sens. Même il va avoir une vision ébrieuse. Et c'est grave. Et lorsque c'est comme ça, mais on ne lui accorde plus aucun petit crédit. Et donc, c'est le cas de Guillaume Soro et sa bande. Parce que ce document a été monté de toutes pièces. Ce n'est pas un document original. Ce document n'a pas été signé par le président de la République française. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, si c'est ce petit document falsifié, entre eux, leur bande corrompue, pour brandir ça comme une preuve irréfutable dans le but d'accuser le président ivoirien, mais c'est du mensonge. Et encore, ce qui les condamne, ils disent que non, mais ce document avait déjà été déclassifié depuis 2009. Et Franklin Niamsi, dans sa vidéo, il dit, mais il ne sait pas comment est-ce que les services secrets ivoiriens n'ont pas pu recevoir ce document avant le face-à-face entre Alassane et Gbagbo en tant que candidat. Donc, il dit il est choqué. Mais lui, Franklin Niamsi, il a reçu ce document-là quand? Question. Est-ce que ce document était là lorsque Soro Guillaume écrivait son bouquin
Son roman d'un milliard de pages. Question. Ce document n'existait nulle part. Est-ce que ce document était là? Et puis aucun média international n'a pu révéler cela avant que Soro Diom et Alassane Ouattara ne fassent une confrontation politique? Question. Non, ça n'existait pas. C'est parce que Soro a préparé un coup d'État et que ça a échoué. Et donc, au sein du gouvernement, il y a certains porte-parole qui ont dit « Soro Diom n'a aucun titre, il n'a jamais travaillé. » Et que son seul travail, soi-disant administratif, c'est un travail de la rébellion. Donc, son camp, c'est-à-dire sa république qu'il avait formée au nord là-bas, où il était, il était l'administrateur de tous les rebelles, où il était le patron de tous les rebelles, il était le président de tous les rebelles. C'est le seul travail qu'il a réussi à faire dans sa vie. Donc, si on dit sur le P, c'est-à-dire le CV de Guillaume Soro, on met truc rebelle. C'est ça qui vient d'abord. Parce que avant ça, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé de ses deux doigts. Le seul travail qu'il a pu faire, c'est que ce monsieur a pris les armes pour tirer. Donc, c'est quelqu'un qui appuie sur les gâchettes. Fonction appuyeur, truc, hein, appuyeur de gâchette, de Kalachnikov. Voilà sa fonction principale. Et donc, il n'y a pas de débat. Puisqu'il y a maintenant un problème entre lui et Alassane, ne sachant pas quoi faire, Soro Diom maintenant cherche, il part chercher des spécialistes pour fabriquer des preuves dans tous les sens. Et même, ils n'ont même pas bien fabriqué cette preuve parce que ça, ce n'est pas une copie bien conforme à celle que le président signe. Donc, déjà, ils dévoilent leur magouille sournoise qu'ils font dans l'obscurité totale au grand jour. Et donc, lorsque c'est comme ça, on ne peut pas leur accorder le crédit. On les voit en train, ce sont des amateurs. De la manière, ils préparent des coups d'État avec leurs coups de fil et puis on les attrape la main dans le sac. C'est de la même façon. Ils sont là, fabriquer des petites preuves. On les attrape aussi la main dans le sac. Donc, ce sont des amateurs de fabrication de preuves. C'est des petits. Ils ne sont pas encore des spécialistes. Ils n'ont qu'à aller demander à Stéphane Kipré. Il va leur montrer comment on peut organiser des documents, comment on peut rédiger des vrais documents. Lorsque tu verras ça, tu vas penser que oui, c'est un document authentique signé par, hein, par l'intéressé ou bien l'auteur, qui, c'est-à-dire le nom de l'auteur qui figure juste sous le document. Comme en signature, tu vas penser que c'est l'auteur même qui a tapé ce document. Or, pourtant, c'est quelqu'un d'autre. Avec sa signature, un tampon bien. Mais ce document, lorsque vous voyez ça, il n'y a aucun tampon qui est là. Ça, c'est un. Il y a une petite signature. Et il nous montre. Il s'est mis accord. Et puis, ça veut dire quoi? Accord, ça veut dire quoi? Accord. Hein, c'est un consensus qu'il y a eu entre deux individus. Et ces individus sont tombés d'accord. Donc, on dit accord, signé. Donc, chacun signe pour reconnaître que oui, je suis d'accord. Donc, c'est un consensus, c'est une procédure dans laquelle deux individus s'engagent pour pouvoir se mettre d'accord sur un fait précis et concis. Donc, lorsque il y a une convergence d'idées, alors vous vous mettez d'accord. Donc, vous signez, on met accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus de division, il n'y a plus de prise de position, hein, divergente entre vous deux. Vos prises de position sont convergentes. Donc, vous pouvez reconnaître que le chemin sur lequel vous êtes, c'est bien le même chemin. Et donc, vous allez progresser jusqu'au bout. Donc, vous tombez d'accord. Donc, ce petit mot accord qu'ils ont mis juste en bas de la soi-disant preuve authentique. Mais n'importe qui peut prendre un bout de papier pour écrire accord. Mais, c'est-à-dire un document certifié, il doit avoir un tampon. Et ce tampon, il doit figurer les écritures administratives venant au sein de l'État, de l'Élysée, de l'État français. Et là, lorsque les gens verront cela, ils diront que oui, ça c'est vrai, c'est un vrai document. Mais cela n'a pas été fait. Donc, on constate que c'est un document monté de toutes pièces. Donc, personne ne peut donner de crédit à ce fameux document
brandi par les membres de l'opposition dans le but de faire porter le chapeau à son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, vous ne pouvez pas faire porter le chapeau. Parce que donc, si ce document n'était pas révélé, Soro Diop, il ne savait pas que c'est Alassane qui était le père de la rébellion. Et donc, il était incompétent devant le monde entier de démontrer que Alassane était le responsable. Parce que si tu dis que tu as travaillé avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'un document qui va venir d'un autre pays pour reconnaître que celui-ci était ton patron. Tu peux démontrer ça de A à Z. Vous étiez où? Il t'a donné les ordres où? Dans quel endroit? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Parce que tu n'as pas oublié, ta mémoire n'est pas encore... ta mémoire n'est pas vide quand même sur la rébellion. Donc, tu as certains effets de la rébellion dans ta tête. Tu as enregistré des choses de la rébellion. Et donc, si tu penses que c'est le président de la République qui t'avait donné des instructions d'aller déstabiliser le pays, d'aller tuer des Ivoiriens, d'aller faire n'importe quoi et casser les banques, mais il faut démontrer cela par A plus B, puisque tu es un témoin oculaire, tu n'es pas encore mort. Donc tu peux expliquer ça devant les Ivoiriens pour dire c'est lui, voilà dans tel coin. Et si c'est bien détaillé, bien défini, et que des spécialistes, nous comme nous, étant des personnes illuminées, on va analyser tes propos à fond. Peser le pour et le contre, on va enlever les verbiages, tout ce qui est vraiment lugubre, tout ce qui est tout ce qui est toxique, qui n'est pas vrai, on va écarter et on va prendre ce qui est vrai, ce qui est pointu, ce qui est aigu, ce qui est tendu, ce qui est droit. On va prendre ça pour dire ce que Soro dit là, oui, ça c'est vrai. Et tout. Et d'autres confirmeront. Mais non, Soro, il ne le fait pas. Il est incapable de démontrer qu'Alassane est coupable. Et il monte un petit dossier. Oui, je suis entendu avec un vieux général français, là, en lui donnant au moins 20 000 euros. Et venir pendre des œufs pendus, des œufs plats, pour faire croire aux gens que non, ce document est authentique. C'est parce que c'est un document qui n'est pas authentique, raison pour laquelle la presse internationale n'a pas repris ses propos de Soro pour brandir cela. Parce que la presse est mieux informée que ce Guillaume Soro à travers ce document. Ah oui, si ce document vient de l'Élysée et que c'était déjà déclassifié depuis 2009, mais la presse allait brandir ça. Si lui étant chef rebelle, s'il n'était pas au courant que ce document était déclassifié et qu'il n'avait pas connaissance de ça, c'est que c'est un ignorant. C'est un ignorant. Donc, ce document n'a pas été signé par le président. Non, c'est du mensonge. Maintenant, dans leurs propos, ils disent que Soro Diop a été empêché de mettre pied dans son pays. De mettre les pieds dans son pays. Et que les militaires étaient positionnés à l'aéroport comme des militaires qui partaient en guerre dans le but d'abattre l'avion dans lequel Diop Soro se trouvait. Donc, il était obligé de dévier son avion pour aller sur le territoire ghanéen. Et encore, ils affirment dans leurs propos que le président en personne a contacté le président de la République ghanéenne pour lui demander d'éviter que Soro Diop descende dans son pays et qu'il n'a qu'à refuser que Soro Diop atterrisse au Ghana. Mais quand même, il a accepté que l'avion atterrisse là-bas, mais il n'a pas accepté que l'individu en personne appelé Guillaume Soro descende de l'avion pour prendre un véhicule et aller en voiture en Côte d'Ivoire. Donc, d'après eux, Soro Diop n'a rien fait et ils l'ont empêché d'arriver au pays. D'après eux, tous ceux qui étaient des proches de Guillaume Soro, même les médecins, ont été arrêtés et aujourd'hui ils croupissent dans les prisons ivoiriennes. Même les frères de Soro Diop ont été arrêtés et aujourd'hui ils croupissent. Même en soi-disant, certains, au cadre du PDCI-RDA, il y a un qui serait arrêté et que un serait recherché. Donc ce dernier a été contraint d'aller en exil, de s'exiler. Donc pour eux, Alassane est un dictateur. Mais ce qu'ils ne disent pas et ce qu'ils voient là, c'est de leur poser la question. Mais parmi les Ivoiriens là-haut, pourquoi ce sont ces gens-là le gouvernement a ciblé pour arrêter? Question. Je dis bien. Parmi les Ivoiriens,
Pourquoi c'est ceux-là qui ont été ciblés, arrêtés et arrêtés? Il faudrait qu'ils répondent à la vraie question. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 26 millions d'habitants. Et nous n'avons pas encore appris que tous les 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire sont en prison. Il y a des milliers d'individus qui sont libres, qui circulent librement. Mais parmi ces 26 millions, sur un groupuscule d'individus ne pesant même pas 1 kg, qui pèse même 0,00% au sein de notre pays, ont été arrêtés pour être conduits dans des endroits qui leur sont propres. Il faudrait qu'on leur pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Quel a été leur rôle dans les écoutes téléphoniques interceptées par des services secrets européens et américains? Quel a été le rôle de ces éléments? Il faudrait que les professeurs nous expliquent ça en profondeur. Il ne s'agit pas de berner les gens et de crier comme si à la salle était un loup qui veut dévorer des brebis, des moutons. Non. Le vrai problème, c'est vous qui êtes des loups. Mais vous portez la peau d'agneau pour faire croire aux gens que vous êtes des agneaux. Mais en réalité, vous êtes des vrais loups déguisés en agneaux pour aller dévorer les Ivoiriens. Ces gens ont été arrêtés parce que tout simplement, ils ont été impliqués dans un coup d'État déjoué par la vigilance des services secrets européens et ivoiriens. Et aussi, parce que aussi le gouvernement ivoirien porte réellement l'attention sur la sécurité du peuple ivoirien. Donc, ce coup d'État a été déjoué. Et lorsque ça a été déjoué, le gouvernement ivoirien a tout fait pour identifier tous ceux qui étaient les cerveaux. Je dis bien, tous ceux qui étaient les cerveaux qui préparaient le renversement du gouvernement, qui préparaient le désordre en Côte d'Ivoire, qui préparaient l'exécution de certains en Côte d'Ivoire. Ce sont ces gens-là qui ont été ciblés et arrêtés. Maison familiale pour les individus. Si ces individus n'ont rien fait, alors, si vous pensez réellement que vous n'avez rien fait, vous devez demander à... Parce que ce que les professeurs veulent nous faire croire, c'est que Soro n'a rien fait et puis un mandat d'arrêt lui a été lancé. C'est que Soro n'a rien fait et puis Ouattara a essayé de le piéger en envoyant trois espions soi-disant français. En envoyant trois espions français qui auraient piégé Diom Soro. Mais c'est du mensonge. Le gouvernement d'espions. Au contraire, ce que Guillaume Soro, parce que je ne... Écoutez, le mensonge, je vais démontrer ça un tout petit peu, vous allez comprendre. Cette bande téléphonique interceptée par des personnes spécialisées là-dedans, lorsque vous écoutez bien, Soro Guillaume a bel et bien signifié à son interlocuteur que parmi les Comzon, les 10 membres des Comzon, ouais, les 10 Comzon, quand je dis ça, ça veut dire les 10 rebelles, il avait déjà obtenu la confiance des uns et des autres. Et que le seul qui refusait, c'était Zakaria, Kone Zakaria. Donc si c'était un piège, Soro n'allait jamais dire qu'il avait déjà la bénédiction de certaines personnes, et que Ouattara était là pour lui, et que Ouattara était prêt. En dehors de Ouattara, il y avait 8 d'autres personnes qui étaient déjà prêtes pour lui. Mais la seule personne qui ne s'était pas encore ralliée, c'était Kone Zakaria. Lorsque vous attendez ces gens de parole, sachez bel et bien que ce n'était pas au moment où ils étaient là à discuter que Soro Guillaume avait déjà commencé à entreprendre ces mouvements dans le but de frapper le pouvoir. Ça veut dire tout simplement que cela avait été déjà préparé des mois, plusieurs mois en arrière. Je dis bien plusieurs mois en arrière. Cela avait été déjà préparé. Et donc, il attendait à ce qu'il arrive au pays pour appuyer sur la télécommande
pour semer des troubles. Et il a bien défini son plan de guerre. Sa mission était de faire la propagande, de faire croire aux gens que le pouvoir était un pouvoir sardique, ce pouvoir était un pouvoir dictatorial, ce pouvoir était un pouvoir démoniaque, ce pouvoir, personne ne pouvait vivre sous ce pouvoir. Donc l'heure était arrivée de libérer ce pays. Et donc c'était pour exciter les gens dans le but de dire « Ah oui, Soro, il est le seul !» Et d'autres avaient déjà commencé même à tomber dans le piège de Soro. Parce que pour eux, la philosophie que prônait Soro Diom, pour ne pas dire la mythophosie que prônait Diom Soro, d'autres sont tombés dans le piège et ils ont cru que ce mythomane Diom Soro menait un combat noble. Donc ils étaient prêts à aller ensemble avec Diom Soro dans sa vision, tout en ignorant qu'il y avait un coup d'État qui se tramait en arrière de cette idéologie prônée. Donc, c'est tout à fait normal et logique. Si le pouvoir a eu écho d'un coup d'État qui se préparerait, c'était tout à fait normal d'avoir une confirmation authentique que réellement Soro Diom était là à préparer un coup d'État. Donc, si c'est dans ce sens que le gouvernement ivoirien a pu envoyer des espions pour tirer la langue de Diom Soro, pour que ce dernier lui-même il puisse confirmer que oui, je suis là préparé un coup d'État et qu'il y a des militaires qui sont déjà là, ils sont déjà positionnés pour moi et qu'une fois en Côte d'Ivoire, je vais frapper le pouvoir. Mais qu'il reconnaisse cela, tout simplement. Parce que c'est ce qu'il a, il a confirmé. Donc, si ces espions avaient été envoyés par le gouvernement a réagi à temps. Le gouvernement a pris l'initiative d'appréhender les choses avant que le malheur ne frappe le pays. Donc, le gouvernement a su réagir en avouant déjà parce que ayant des échos de ce que préparerait Diom Soro, ils ont pu envoyer des gens pour voir si réellement Diom Soro était dans de tels coups. Donc, en avouant les gens, ils comprennent automatiquement que oui, ce qu'ils avaient reçu comme information, c'était vrai et que Diom Soro préparait un coup. C'est dans ça, en ayant la preuve irréfutable, cette preuve audio étant dans leurs mains, c'était tout à fait logique, normal et compréhensible qu'ils lancent un mandat d'arrêt contre ce concerné. Et donc, il ne faudrait pas que les gens soient étonnés. Mais là, d'autres disent que c'est un coup monté de toutes pièces. Mais est-ce que les écoutes n'ont pas été identifié à tant que la personne de Soro qui parlerait dedans, si cela a été identifié et ses écoutes sont authentiques à la voix, c'est-à-dire cette voix est identique à celle du concerné appelé Diom Soro. Mais en allant encore plus loin, son avocate, soi-disant renommée, qui est toujours là où il est, appelé Afusiata Lamine Bamba, cette dernière a fait une vidéo aux yeux du monde entier pour dire oui, cette écoute téléphonique est bel et bien la voix de Diom Soro et qu'ils ont d'autres preuves pour neutraliser ce que le procureur Adou Richard a mis sur la plateforme sociale appelée Facebook pour que les gens puissent prendre écho, écouter pour voir ce que préparait Diom Soro. Donc, en disant qu'il y avait une autre bande sonore qu'ils allaient présenter pour anéantir la première bande, dans laquelle, c'est-à-dire la seconde bande dont ils disposaient, ils allaient présenter ça comme une autre preuve dans laquelle on voit Soro Diom en train de piéger ces espions envoyés par le gouvernement ivoirien. Mais on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, aucune bande n'a encore apparu. Et on attend toujours cette preuve qui allait anéantir cet audio que Adou Richard a fait écouter à l'humanité tout entière. Donc on ne peut pas dire que c'est un audio qui a été monté de toutes pièces. Puisque cet audio, l'avocate de Diom Soro a reconnu que oui, c'est la voix
identique et authentique de son client. Donc, il n'y a plus de débat. Mais pourquoi Soro Guillaume veut nous faire croire que c'est un mandat politique et qu'il n'a rien fait, on veut l'écarter de la scène politique. Raison pour laquelle le gouvernement, lui, lance un mandat d'arrêt. Il ne s'agit pas de se cacher derrière le mot politique pour s'échapper de ces crimes qu'il préparait. Il s'agit de ramener toujours Soro Guillaume sur cette histoire de bande. Guillaume Soro, est-ce réellement votre voix dans cette bande? C'est la question qu'il faut poser à Guillaume Soro. S'il dit non, c'est à date de 2017, ok, peu importe l'année. Mais nous voulons savoir si réellement cette bande, c'est votre voix qui se trouve là-dedans. Qui s'y trouve. S'il dit oui, ok. Oui, c'était pour quelle raison? Non, j'ai piégé les espions. Mais lorsqu'on écoute, on ne voit pas quelqu'un qui piège les espions. On voit quelqu'un qui traite avec les espions pour aller déstabiliser un pays. Donc, quand vous dites que vous étiez là piéger les espions, mais envoyez-nous une autre preuve qui va contredire cette preuve audio pour nous dire oui, après cette conversation, voilà une autre partie où Soro Guillaume aurait refusé cette proposition faite par ses agents envoyés par le gouvernement. Mais on ne voit nulle part un côté de cet audio, de cette bande, où Soro Guillaume aurait dit que non, il ne veut pas participer à un coup quelconque. Et qu'il refuse et qu'il fait toujours allégeance hein, au gouvernement ivoirien. Il n'a jamais, aucune, c'est-à-dire il n'y a aucune preuve disponible jusqu'à aujourd'hui où on attend bel et bien une preuve écrite ou audio ou vidéo dans laquelle Soro Guillaume dit que non, lui, il ne veut pas participer à un coup quelconque. Ça n'existe nulle part. Donc, ces arguments bidons qu'il prend pour se défendre ne tiennent pas. Lui et ses avocats ne sont pas à la hauteur pour faire perdre les Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens sont conscients. Et tout ce qu'ils diront, s'ils veulent qu'ils philosophent sur ça, s'ils veulent qu'ils mentent, que le mensonge soit la philosophie, mais toujours la vérité sera la philosophie du pouvoir ivoirien. Et cette vérité éclairera toujours les Ivoiriens. Et elle est là déjà, nous éclairer. C'est très important. Donc, il ne faudrait pas que les gens nous fassent croire que Soro Guillaume est une victime de la politique de Ouattara. Non, Soro Guillaume n'est pas une victime. Au contraire, c'est le gouvernement qui est la victime. Parce que le gouvernement est boycotté par Soro Guillaume et son clan. Soro Guillaume gâche le nom de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume fait peur aux opérateurs économiques d'aller investir en Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens chôment aujourd'hui, d'autres Ivoiriens n'ont pas de travail, mais c'est la faute à Guillaume Soro. Car il vend le nom de la Côte d'Ivoire sur un petit plateau. Il vend la Côte d'Ivoire 10 francs, en disant que la Côte d'Ivoire est un danger, la Côte d'Ivoire est une dictature, la Côte d'Ivoire, il n'y a que la faim, il n'y a rien là-bas, n'allez pas là-bas, et tout. Donc c'est cette mauvaise image de la Côte d'Ivoire qui vend à l'international. Et quand c'est comme ça, les touristes ni partiront plus. Non, excusez-moi, les touristes n'iront plus dans ce pays. Ils vont fuir. Ils vont dire, ah si on va là-bas, on dit Alassane il tue. Donc automatiquement la peur. Imaginons des Européens qui n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire, qui rêvent d'aller prendre un soleil chaud à Sini pour faire bronzer leur corps, les Chinoises et tout. Mais quand Soro Guillaume nuit la Côte d'Ivoire à l'international, mais ces gens-là, ils vont changer de destination. Ils vont préférer aller au Brésil, au Maroc, en Tunisie et aller ailleurs. Dans les pays, même au Burkina, au Mali, je ne sais pas, dans les pays limitrophes au Ghana. Et en dépassant la Côte d'Ivoire, car Soro Guillaume a miné le nom de la Côte d'Ivoire à l'international. Donc c'est lui le danger. C'est le gouvernement ivoirien qui est victime de Soro Guillaume. Le gouvernement ivoirien est victime de Guillaume Soro, de la politique de Guillaume Soro. Donc je ne veux pas que les gens rétrogradent les rôles. Il faudrait que les gens sachent placer le rôle de chaque acteur dans cette histoire. L'acteur principal qui nuit les Ivoiriens, qui détruit le nom de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Guillaume Soro. Ce n'est pas lui la victime. C'est lui le danger. Donc, on ne prenait pas le danger comme si le danger était la victime
et la victime était le danger. Ça ne concorde pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, je demande aux uns aux autres de savoir raison garder, de bien réfléchir, ne pas tomber dans le biaha de Guillaume Soro et sa bande, dans le verbiage qui tiennent à longueur de journée, sans rien dire de bon, sans convaincre l'opinion publique que les gens prennent conscience, car nous ne sommes pas dans le monde ancien, nous sommes dans un monde nouveau et tout le monde est conscient de ce qui se passe. Tout le monde est conscient de ce qui se passe. Donc, si on va s'arrêter là d'abord, on va s'arrêter là et demain est un autre jour, mais on va continuer toujours à déconstruire Guillaume Soro. C'est très important. On ne va pas le laisser comme ça. On ne va pas le laisser. On va toujours dénoncer ses plans qu'il fait dans le but de frapper. Il veut coûte que coûte rentrer en frappant le pays, mais ça sera dénoncé. Et donc, c'était l'incontournable bien hier compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive le gouvernement ivoirien en ensemble. Ciao.